me demandais certainement pourquoi. Pourquoi ils ont diminué les choix à Campus France? Pourquoi, à votre avis? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Ok, tranquille. Ouais, ok. Là, on va parler d'un sujet très très important. La nouvelle réforme de Campus France. Donc, plus de qu'un choix, c'est bon. Il n'y en a que 7, malheureusement. Ok. Vraiment, ça, c'est pas une très bonne nouvelle, quoi. Mais on va voir ensemble les avantages et les inconvénients. J'ai contacté personnellement Campus France pour savoir si c'est une rumeur ou bien si c'est vrai. Et si c'est vrai, pourquoi ils ont fait ça? Et qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Est-ce qu'ils cherchent à diminuer le taux des étudiants étrangers en France? Mais après, quand ils m'ont répondu, leur réponse était vraiment logique. Donc voilà, je vais vous laisser un screen ici ou ici. Ça dépend, on verra plus tard dans le montage. Donc je vais vous lire mon message et leur message. Alors, bonjour, est-ce vrai que les nouveaux candidats auront droit qu'à cette chose? Putain, il y a la mayonnaise qui est tombée. Bon, on s'en fout. Est-ce vrai que les nouveaux candidats auront droit qu'à sept choix au lieu de qu'un choix, ou bien c'est une rumeur? Merci. Alors, ils m'ont dit, suite à une étude effectuée par notre ministère, je pense que c'est le ministère français, donc voilà, c'est le cas. Il veut diminuer le taux de. Bah, c'est sûr, il veut diminuer le taux des étudiants étrangers. Donc, par notre ministère, concernant les réponses formulées sur des paniers de formation contenant 15 vœux, il a été constaté qu'au-delà de 7 vœux, les étudiants ne recevaient quasiment plus de réponses. Plus de réponses, les étudiants choisissant souvent des formes. Il y a le flash qui fout le bordel là, je vois rien. Alors, les étudiants choisissant souvent des formations par défaut pour remplir les 15 vœux. C'est pourquoi notre ministère a décidé de réduire le nombre de vœux à 7 pour avoir des paniers de formation plus cohérents et homogènes. Cela s'applique dans tous les pays. Ok. C'est ça. Donc, en gros, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont dit. Ok. De 1, il y a un avantage et un inconvénient pour cette nouvelle réforme. Première des choses, l'avantage. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'ils vont diminuer. Non, alors bon, on s'en fout de ça, on va pas parler de ça. L'avantage, c'est que vous allez plus cibler votre choix dans la plateforme Campus France. Par exemple, moi, je me prends comme exemple, ou bien on prend notre étudiant. Donc, au-delà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, au-delà de cette formation, les étudiants commencent à postuler à des formations au pif. Donc, les formations ne les intéressent pas vraiment, mais quand même, ils candidatent parce qu'ils trouvent pas d'autres formations qui les intéressent. Donc, c'est ça le cas. Donc, en gros, ils veulent augmenter leurs chances d'admission. Bah, 15 choix, c'est pas 7 choix, donc c'est pas la même chose. L'avantage, c'est que vous allez commencer à cibler votre formation. Comment ça? Que vous allez vraiment prendre soin à trouver la formation qui vous intéresse à 100%. Et 100%, l'accent marseillais. Dédicace à Néoël, la Marseillaise. Ok. Je suis vraiment trop motivé aujourd'hui pour faire des vidéos. Déjà, j'ai fait 3 vidéos là, donc. Je fais en boucle parce que je suis pas trop actif ces derniers jours. Ok, on passe. Donc, prendre soin à choisir et à chercher la formation qui vous intéresse vraiment. Donc, comment ça se fait? Donc, vous allez voir, normalement, vous devez voir les matières que cette formation propose dans votre formation initiale. Donc, si c'est la même chose ou pas, si c'est différent, donc vous évitez. Si c'est la même chose, donc vous avez de plus de chances pour être admis. Après, et la deuxième des choses, le deuxième avantage, c'est que vous pouvez faire une lettre de motivation personnalisée à chaque université. Donc, au lieu de une lettre de motivation à 15 vœux, donc vous pouvez faire là cette lettre de motivation à chaque, bah, une lettre de motivation à chaque université, ce qui veut dire cette lettre de motivation. Mais normalement, si vous faites ça, c'est que genre si vous ciblez et vous personnalisez votre lettre de motivation au maximum à l'université, elle va comprendre que vous êtes vraiment intéressé à elle et que vous tenez vraiment à cette formation, quoi. Donc ça augmente toujours ça. Vous voyez, c'est des petites choses qui vous aident à augmenter vos chances d'être admis. C'est ça le truc. Bah, ça, c'est les deux premiers avantages. Et l'inconvénient, c'est que bah, c'est clair, c'est que 15 vœux, les chances dans 15 vœux, c'est pas les mêmes chances que dans 7 vœux. Donc, la probabilité d'être accepté dans 15 vœux est plus élevée d'être accepté dans 7 vœux.
Donc, c'est normal, c'est logique, c'est des maths. Donc, bah, voilà, c'est l'explication. Bah, c'est plus une rumeur, c'est vrai, c'est la réalité. Vous devez faire face à ça. Donc, après, on va voir ensemble comment on va personnaliser cette lettre motivation, comment avoir beaucoup de chance pour être admis. Ce que j'aimerais bien, c'est que bah, j'aimerais bien sentir votre encouragement. Hein. Des petits likes, des partages, des commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler sur la procédure Campus France de A à Z en français. Tout le monde sera happy cette fois-ci. Donc, on va toucher, on va cibler toute l'Afrique. Tout le monde va comprendre cette fois-ci. Ok, bon ben, je vous remercie. Désolé si je suis un peu trop motivé, donc je parle un peu différemment des autres vidéos. Bah, ne vous inquiétez pas, j'ai rien pris. Je suis totalement normal. Bon ben voilà, je fais l'accent du blanc. En fait, il parle comme ça, tranquillement, gentiment avec cet accent. Ok. Bon ben voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On se revoit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos pouces bleus et vos partages. Et de vous abonner si vous êtes...